Ouais, l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match samedi à partir de 20h45 sur TF1 en direct de la ville de Konya, Turquie-France. Match comptant pour la troisième journée des éliminatoires à l'Euro 2020. Le dernier match entre ces deux nations, c'était un match amical, c'était le 05-06-2009. Et l'équipe de France s'était imposée à domicile 1-0. La Turquie, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 8 victoires, 6 nuls pour 6 défaites. Côté français, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 15 victoires, 4 nuls pour une défaite. Les Turcs, sur leurs 2 précédents matchs, qui comptaient pour les éliminatoires à l'Euro 2020, on a eu Albanie, Turquie, 0-2. Pour les Turcs, et plus récemment, Turquie-Moldavie, 4-0 pour la Turquie. Côté français, on a eu Moldavie-France, 1-4 pour l'équipe de France, et plus récemment, France-Islande, 4-0 pour l'équipe de France. Un petit récapitulatif sur le groupe H. Premier, l'équipe de France avec 6 points, 2 victoires, 0 nul, 0 défaite, 8 buts marqués pour 1 but encaissé. Deuxième, la Turquie avec 6 points, à égalité de points avec l'équipe de France, 2 victoires, 0 nul, 0 défaite, 6 buts marqués pour 0 but encaissé. Donc les gars, samedi soir, c'est le match choc de ce groupe H entre les deux premiers, entre la France et la Turquie. Ça va être un gros match les gars, j'en suis sûr, on va assister à un gros match. Les Turcs, défensivement les gars, c'est très très fort, et offensivement, l'équipe de France, c'est très très fort. Et j'ai envie de te dire, si on a un Griezmann en feu, comme on l'a eu contre la Bolivie, si on a un Kylian Mbappé qui retrouve sa forme, et si on a un Giroud d'Europa League, les gars, on va gagner ce match. Et moi, les gars, je pronostique une victoire française 2-0. La petite compo française, les gars, je pense pas qu'il y aura de grandes surprises, hein, connaissant Dédé, le 4-2-3-1 avec Lloris, qui retrouvera certainement cette place de titulaire dans les cages françaises. Pavard, latéral droit, Digne, latéral gauche. La charnière du grand classique, Varane, associé à Umtiti. Nos deux milieux devant la défense, Kanté, associé à Pogba. Et les gars, offensivement, Griezmann en numéro 10, Mbappé à droite, certainement Matuidi à gauche, et en pointe, Olivier Giroud. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre prono et votre compo. Nous, petite parenthèse, côté parisien, les gars, on a appris aujourd'hui deux nouvelles. Une bonne et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise. Neymar, les gars. Neymar qui s'est blessé cette nuit avec la Seleção. Neymar qui va rater la Copa América. Et Neymar, les gars, ce n'est vraiment pas son année. Quelle galère pour lui. À tout point de vue, hein, les gars, déjà sportivement les gars, c'est une saison complètement ratée avec, pour Neymar, blessé à la mi-saison avec le Paris Saint-Germain, blessé hier soir avec la Seleção, il va rater la Copa qui va se dérouler dans son pays, et les gars, extra sportif les gars, c'est une vraie galère pour lui aussi, c'est une année noire les gars, avec cette histoire de viol. Donc Neymar, il faut impérativement le soigner, impérativement l'opérer, car nous, Parisiens, pour la saison qui arrive, on a besoin d'un Neymar à 100%. Neymar, on ne l'a pas fait venir pour la Ligue 1, ni pour la Coupe de France, ni pour la Coupe de la Ligue, et encore moins pour le Trophée des Champions. On a fait venir, on a acheté Neymar, les gars, pour la Ligue des Champions. Et sur les 2 ans qui viennent de passer, on n'a pas progressé. On stagne en 8e de finale avec un Neymar absent à cause de ses blessures à répétition. Donc Neymar, il faut impérativement l'opérer. Même si ça doit prendre 4, 5 ou 6 mois, il faut l'opérer pour que Neymar nous revienne en forme. Et les gars, la bonne nouvelle, même si ce n'est pas encore acté, même si ce n'est pas encore fait les gars, mais normalement, Leonardo devrait revenir au Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif. Et ça, les gars, c'est la bonne nouvelle du jour.
Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre prono, votre compo, votre avis concernant Neymar et votre avis concernant Leonardo. Ciao l'équipe.